Hey, salut tout le monde, c'est Spectrolou, comment ça va? On se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version Soul Silver en mode Nuzlocke Challenge. Et donc là, normalement, nous sommes à l'épisode numéro 6 ou l'épisode 5, je ne sais plus, mais je crois qu'on est plutôt à l'épisode 6. Donc j'XP un petit peu mon équipe, vous allez voir un petit peu mon équipe, voilà. Donc on va faire Pokémon. Excusez-moi, on va faire Pokémon et je vais vous montrer un petit peu. Ben, ils ont un peu monté en grade. Hein. Donc, Kenshi niveau 17, Togepi niveau 15, DRK niveau 10, Scrawler niveau 15, Chrono niveau 15 et Gallus niveau 16. Lui, il a pas changé Gallus, il est toujours resté au même niveau, mais il a quand même pas mal XP, je trouve, parce que voilà, c'est plutôt intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va se faire tout. On va faire toute la grotte des caves jumelles, tout simplement. Et j'espère que ça va pas me prendre trop de temps parce que j'aimerais bien aussi avancer un petit peu plus sur le scénario, donc aller au puits Ramolos d'après ce qu'on m'a dit. Et ça peut être vraiment sympa. Donc écoutez, on va un peu XP. Et j'avais oublié de dire, parce que à savoir que notre starter OK Kaiminus peut évoluer au niveau 18. Donc on va avoir une évolution en direct, les amis. Et oui. Et mais non, pas tout de suite. Donc bah, on va attendre un peu. Hey, salut toi. Une caverne éclairée, ça fait pas peur avec des Pokémon forts, c'est pareil. Ben ouais, hein. Tu m'étonnes. Oula, il crache du feu. Oh, Luigi. Attends, faut que je mette ma casquette là. Allez, où ma casquette? Ah putain, fallait que je mette la casquette pour cet événement. Ah non, je l'ai pas. Oh, tant pis. Désolé. Tant pis. Je voulais trop mettre ma casquette. Oh là, c'est dommage. Oh là là. Ah, je suis vraiment très très content de vous retrouver ici parce que j'avais passé une journée assez épuisante. Et ben, le fait de se relaxer en faisant une vidéo, et pour vous aussi les abonnés, parce que ben, vous regardez les vidéos et puis ça vous plaît, et moi je m'éclate, donc c'est le principal. Et puis c'est... voilà. Ok, Oh, il évolue, c'est nickel. Eh ben écoutez, on va voir l'évolution en direct de ce nouveau Pokémon over cheaté de la mort que tu... Hey, c'est nickel. Oh, il a trop la classe. Franchement, il a trop la classe. Crocodile. Oh, franchement, je trouve qu'il a vraiment la classe. Hein. Ok, ce qu'on va faire, c'est que on va sauvegarder, comme je vous ai dit, on va sauvegarder assez souvent. Parce que les bugs de l'émulateur DSMU me saoulent vachement. Et voilà. C'est un petit peu dommage quand même, tous ces bugs. Parce que j'ai quand même un bon PC, mais vu que l'émulateur DS n'est pas très stable, et ben il faut se dire que, ben, à moins de randomiser sa ROM, mais si je randomise ma ROM sans que les Pokémon changent d'état naturel, tout ça, ça veut dire que. Et ben, ça veut dire que je perdrai ma sauvegarde, donc je perdrai toute ma sauvegarde du Nuzlocke. Bon, ça me saoulerait un petit peu, je vais pas vous le cacher. Oh, un objet. J'étais tellement surpris. Un objet. Nickel. Non, pas encore un combat, attends. J'ai remarqué qu'ils sont un petit peu plus HL. Franchement, ils montent vite de niveau, là, ils sont niveau 8. Et contrairement, comment dire... Et ben l'étage au-dessus, ben, ils étaient niveau 6. Et là ils sont niveau 8, donc je gagne pas mal d'XP, c'est plutôt pas mal. Et j'ai obtenu une défense plus, une vitesse plus dans cet endroit, ainsi que ben, j'avais obtenu l'objet enfin, dans la Pokéball, mais je m'en... Ouh, un Onix, c'est pas mal ça. Franchement pour XP c'est pas mal du tout. Ben, écoutez, on va essayer de... Oh, il me reste un pistolet à eau, les amis. Un pistolet à eau. Un truc de fou. C'est nickel! Bon, là, one shot, j'ai gagné pas mal d'XP, en plus c'est niveau 8. Et je... Ouh, 123! Ouh, pas mal, franchement pas mal du tout. Il faut dire là, vraiment pas mal. Donc écoutez, là je vais sauvegarder. Ah, il n'y a pas eu un bug de pixel. Ouais, écoutez, je veux quand même sauvegarder, on ne sait jamais. Sauvegarder. Non, j'ai dit. Oh, putain. J'ai dit sauvegarder, j'ai pas dit revenir à l'écran de jeu. Bah, sauvegarder. On ne sait jamais, franchement, je préfère garder ma save comme elle est, sans bug.
Non. Pourquoi? Pourquoi? Non. Encore un Pokémon. C'est désolant, je pense que je vais faire morsure parce que j'ai plus de pistolet à eau, donc écoutez. Eh, hey, ça fait quand même pas mal et il a la trouille. Il a la trouille. Allez, on va faire griffe. Je pense que ça va le tuer, griffe. Eh, hey, c'est nickel, il est niveau 8 et en fait c'est une grosse merde. Et nous, on monte un peu. On monte. On monte, voilà. J'ai que ça à dire, on monte. Voilà. Fin du Nuzlocke. Ah là là, gros délire. Ah, gros délire quand même, ce Nuzlocke, c'est. Je pense que c'est l'un des let's play que je vais encore. Que je vais kiffer le plus à faire. Enfin, que je fais actuellement plutôt. Le premier let's play que j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment pris mon pied, c'était Pokémon dans son Soul Silver en mode Nuzlocke Challenge. Oh, oh, ce let's play, il m'a fait délirer. Bon, il y avait quand même Pokémon Gem, mais maintenant Pokémon Gem me saoule un petit peu. Il faut un peu le dire parce que voilà, Pokémon Gem, j'ai quand même perdu ma sauvegarde trois fois, il faut le dire, trois fois en un an. Et le fait de refaire tout le temps la même chose au bout d'un moment, ben c'est un peu rébarbatif et donc un peu pénible. Mais même si j'ai vraiment passé, je passe de bons moments à tourner du Pokémon. Pourquoi j'ai pas pris la Pokéball, je suis con quoi. Et ouais, donc je suis content quand même de tourner le Pokémon Gem. Donc là, notamment, j'ai un bug putain d'important. Il faut dire que à la base, je voulais capturer Mewtwo pour vous montrer comment avoir Mewtwo. J'ai eu un bug, comme quoi je peux pas retrouver le dresseur dans le Cred. Il faut le battre 6 fois, tout ça. Ensuite, il faut aller à la zone inconnue. Et après, en fait, si vous voulez, il y a Red qui apparaît, donc vous le combattez. Et ensuite, il y a Mewtwo qui apparaît. Donc, c'est un Pokémon dresseur, en fait, Mewtwo, limite. Et donc, après, comme dans le film 1. Et après, ben, vous le combattez pour le capturer. Maintenant, moi, j'ai plus le dresseur qui apparaît. Donc, en gros, je suis un peu baisé. Voilà. Donc, je peux pas vous montrer Mewtwo. J'ai déjà tourné la première partie, mais la deuxième partie, voilà. Si j'ai pas Mewtwo, ça sert à rien de vous montrer la première partie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu chiant. Voilà, c'est un petit peu chiant. Et au niveau de la Vermidia, donc vu que j'ai pas beaucoup de jours de repos, hein, vu que j'ai pas trop le temps en ce moment de faire des vidéos, comme je vous ai dit, je m'attends pas trop sur le boîtier d'acquisition, donc la Vermidia, qui me permet de règle sur des consoles de salon pour du Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Donc voilà, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Donc là, je vous tourne du Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge parce que j'ai envie de le faire. Et je pense que vous aussi, vous avez envie de voir du Nuzlocke Challenge de Soul Silver. Et que vous voulez voir ma gueule. Non, vous vous en foutez de ma gueule, hein, c'est ça. Non, je plaisante. Oh là là. Allez, attends, on va te terminer là. Ah, nickel, ça c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je vais bientôt être au niveau 19, c'est plutôt intéressant. Lui, ça doit être un montagnard, donc il doit avoir des Pokémon du proche sol. Donc je pense que je vais prendre Crawler, parce que Crawler c'est un psychopathe. Il a beaucoup d'attaques spéciales. J'ai nommé Crawler 18. Eh bien, quelle surprise, je ne pensais pas rencontrer quelqu'un ici. Et si, un dresseur paumé, 10 ans, voilà. Oh, un Onix. Voilà, attends, là on. Ouais, on va faire Folion. Ouais, non, en fait c'est une merde. Nickel, ça c'est pas mal. C'est une grosse merde, il me fait grincement qui sert à rien. Et moi je veux une one shot, je pense, avec Folion. Et il est quand même niveau 11, hein. Oula, résisté. Attention, j'espère qu'il va pas faire jeu de pierre. Ouf. J'ai chaud. J'ai chaud. Ok, nickel, c'est nickel, parce que j'ai vraiment eu peur. Enfin, Onix c'est quand même niveau 11, s'il fait jet de pierre, s'il fait un coup critique, il peut peut-être me one-shot. Il peut peut-être me one-shot mon Pokémon, donc. Ah merde, j'ai pas lu ce qu'il a dit. Il se barre, on s'en fout. Non, encore un combat. C'est chiant. Oh là, allez, on fuit. J'ai pas envie d'être confus. Oh non, mais j'aime pas du tout ce Pokémon. Oh là là. Lui, il est saoulant, lui, il te rend confus, ça y est, t'es dans la merde. Tu vois, Écorcia, n'est-ce pas? Oui, tu peux te sortir de là, je pense. Hein. Je pense que je peux me sortir de la grotte, t'inquiète pas pour moi. Racaillou niveau. Niveau 4? Mais t'es une merde! Pourquoi il est niveau 4?
C'est quoi ce délire? Toi, tu auras un caillou niveau 1, tu sais. C'est un 5 combat. Hein. Combat dresseur, attention. Hein. Combat de fou. De fou furieux. Là. Un caillou niveau 4. Ah, niveau 6. Peut-être le prochain sera un caillou niveau 8. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Mais il gagne beaucoup d'XP, donc c'est cool. Putain, je vais bientôt être au niveau 16. C'est trop bon ça. Putain, mais la deuxième arène, je vais la faire easy. Hein. Non, pas. Je repense pas. D'après ce qu'on m'a dit, il y a un insécateur au niveau 17. Non, mais je suis sérieux, 17. Non, mais c'est un truc de fou. Niveau 17, il te fait demi-tour, il voit tous les Pokémon limite. Hein. Donc écoutez, j'ai vraiment peur pour la deuxième arène. Oh ouais, moi aussi. Ok, c'est nickel, on commence à... Bah, on commence à bien avancer parce que... Putain, on est déjà 11 minutes. Non, t'inquiète pas, qu'est-ce que... Non, non, mais je fuis comme une terre. Allez, hop. Lui me fait peur, là. Je pense qu'il a des Pokémon feu. J'ai plus de pistolet à eau de mon crocodile, donc je vais prendre Togepi. Pourquoi Togepi, j'en sais rien. Parce que j'ai envie qu'il XP. J'ai envie qu'il évolue en fait, limite. J'ai envie que ça soit un Togetic, mais vu que Togepi évolue avec le bonheur. Ultrason, ne se faire un petit, n'arrête pas de rendre mes Pokémon confus. Et ça commence vraiment à me gonfler. Bah écoute, moi aussi ça me gonfle. Ça me gonfle quand il va se faire un petit fond Ultrason X à 2 rend gonfle. Oh putain, j'espère qu'il a pas destruction et explosion. Bon, attends. Ouh, ah oui, c'est bon. L'extra-ascenseur. Ah, on déforme, t'as raison, ce mojo. Et vu que le psy, ça s'effectue bien sur les Pokémon de type poison, et c'est super efficace. Oh oui, c'est bon, ça. Oh, j'ai une bonne technique. Ouh, 145 points d'XP. Et j'XP bien, je veux pas dire, mais... Non, je pense pas qu'il a destruction et explosion au niveau 6. Je pense qu'il la prend au niveau 20 ou 30. Au moins, je sais pas. On verra bien quand on verra la première destruction ou explosion. ou les attaques qui one-shot ont un coup, c'est Guillotine, Empalcorn, il y a quoi d'autre? Glaciation. Voilà, on va faire attention quand même. Perdu en lettre de feu. Perdu en lettre de feu. Ouais. Oh merde, j'ai gardé Togepi. Je pense que ça peut le tuer. Je peux le tuer avec un. Avec un extra senseur, attendez. Ah oui, ils ont appris différentes attaques, mais mes Pokémon, j'avais oublié de vous le préciser. Donc, doux baiser qui rend confus, qui peut rendre confus un Pokémon. Et vous verrez ça quand j'utiliserai mes autres Pokémon. Ouh, une super ball, c'est pas mal ça. Écoutez, on va continuer. Hein. J'espère que c'est pas trop long la grotte. Sinon, ça va prendre 5 épisodes. Mais qui sait pas qu'on dit, c'est bon. Alors là, on va tourner l'épisode 18, hein, non, l'épisode 5. L'épisode 6, je sais plus. Ok, what? Oh, il y a une Pokéball. Ouais, une potion. Bon, que je peux empoisonner, c'est le principal. Hein. Franchement, si je suis empoisonné, j'aurais un peu la rage. Sachant que j'ai pas de. Comment dire? J'ai pas d'objet qui me permet de pas m'empoisonner, enfin, de me soigner contre l'empoisonnement, donc. On va faire attention de ne pas me faire empoisonner par des Pokémon genre Smogo tout ça. Parce que là, on se fait un peu dans la merde sinon. Allez hop, c'est la fin du jeu, tous mes Pokémon sont empoisonnés. Qu'est-ce qu'il veut? C'est qui? Oh non, Farouk, il me fout. Alors, il veut quoi cette fois-ci? Ouais, bonjour, Spectre. C'est Farouk, tu es en forme? L'autre jour, j'ai battu un Hogul. Personne n'a réagi. Pas grave, c'est qu'on doit être trop fort en plus. Attends. Le mec, il me parle pour rien dire. Oh putain, eh, franchement, le Pokématos, c'est une invention révolutionnaire. Eh, mais le mec, il vient de parler pour dire, eh, tu sais, mon cool, il a monté d'un niveau. Non mais sérieux. Oh là, il me fait peur, là, tête de psychopathe. Je parcours le monde à la recherche de Pokémon. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Oh putain, Ramos. Il est nouveau.
fait un doux baiser. Ah! Merde. Ok, ok, on va se calmer tout de suite là, je vais te faire un métronome. Oh, canon graine. Oh non, je vais m'endormir. C'est pas grave. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Métronome, vas-y, vas-y, réveille-toi, réveille-toi. S'il te plaît. Non, s'en fout, mais c'est mon attaque. Et réveille-toi. Non. Pourquoi il se réveille pas? Oh là, doucement. Vas-y, vas-y. C'est facile, mets-le des patates. Plaquage, vas-y, vas-y, tue-le. Oh, il est paralysé. Eh, ça c'est bon ça. Ah, t'es paralysé comme une merde, c'est bien ça. Métronome, métronome, vas-y, 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 vas-y. Coupe. Ouh, coupe, c'est nickel. Oh, pas mal, il se débrouille bien l'outil. Hein. 40 HP, ah wesh. Non, on parle pas 40. Bah écoute, je suis content. T'as perdu comme une merde. Y'a pas des objets là. Non, pas un Pokémon, j'ai dit un objet. Non, mais sérieux. Non, okay. Alors, je vous explique. Dans cette zone, il y a des racailloux, et encore des racailloux. Il y a des Nosferapti. Et quoi, il y a des Onyx. Et je pense que c'est tout. Et des Rattata, voilà. Je me rappelle, il y avait plein de Rattata qui me saoulaient pendant mon XP. Que j'XP, c'était. C'était la merde. Gagner 30 points d'XP. Oh, bon, en parlant de Rattata, le voici. Salut. Ça va? Ok. Et quoi là? Oh, il y a pas de... Il y a un objet. Je suis sûr qu'il y a un objet là. Non, il n'y a pas d'objet. Tant pis. Tant pis, il n'y a pas d'objet. Oh, attendez, je crois que c'est la fin de la grotte. Putain, on est déjà à 17 minutes. Oh là là, ça passe vraiment vite, hein. Faut le dire. Là. Oh, attendez, je vais faire un truc de psychopathe extra-senseur sur un Pokémon. Ah là, je te demande la gueule là. Prends ça dans ta gueule là. Ouais. Là, je t'ai tué, c'est bien, je gagne de l'XP en même temps. Ouais, ouais, 38 points d'XP. Voilà quoi. Oh, c'est la sortie! Oh merde, putain. Ouais, on s'en fout, on va faire fuite. Hein. Je peux pas rester 100 ans dans la grotte quand même. Non, non, j'ai dit que je voulais fuir. Attends. Ça sert à rien. Quoi, fuite impossible? Il va se calmer lui. T'as juste à faire une attaque, hein. Je le one shot moi. Voilà, j'aime mieux ça, j'aime mieux ça. Et je trouve un réveil. Ouais, mes Pokémon sont pas endormis. Ah, écoute, on va sauvegarder. Le mec qui sauvegarde toutes les 5 secondes, c'est. Alors là, dans mon let's play, je vais sauvegarder 58 fois. Pour un épisode. Yes! Non, mais sérieux, c'est hallucinant. Et c'est la deuxième fois que je sauvegarde. Malheureusement. Route 33! Oh! Route 33, c'est un nouveau Pokémon, ça, attendez. Attendez! Attendez, les amis. Je pense que c'est un nouveau Pokémon, attendez. Loue la carte. C'est ça. Eh hey, oui, c'est ça. Donc écoutez. Ouais, ouais, c'est une nouvelle route. C'est une nouvelle route, donc un nouveau Pokémon, les amis. Donc c'est plutôt intéressant. Et hey, oh putain, il y a plein de Magomi. Magomi. Oh, oh non, c'est quoi? C'est un Magomose. C'est cool. C'est un magot noir, on le secoue encore une fois. Et ça, un magot noir. Ça doit être noir. Salut. Non, mais viens là. Non, mais pas toi, on s'en fout de Togepi, putain. Enfin, je sens. C'était vachement plus grand que je pensais. J'ai jeté l'éponge avant d'avoir pu tout explorer. Bah écoute, j'ai pas peur, donc je peux pas tout explorer. Et on peut capturer un nouveau Pokémon. Donc, les amis, on va capturer un nouveau Pokémon.
Bah voilà, un nouveau Pokémon. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? C'est une blague. Un abo. Oh putain, un abo. En plus c'est une femelle. Oh putain. Non, 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 poisonne pas, connard. Salaud. Non. Putain, mais non. Vas-y, écrase-le là. Ah putain. Chier, je suis empoisonné. Chier. Attendez, on va essayer de le capturer quand même. Vu que c'est un nouveau Pokémon, on peut le capturer normalement. Vu que c'est une nouvelle route, hein. Et on a capturé ce Pokémon et j'ai toujours pas noté la liste de des pseudos. J'ai pas noté la liste des pseudos, donc pour l'instant on met pas de pseudo pour le moment parce que tout simplement j'ai pas écrit la liste de toutes les personnes qui voulaient un pseudo, donc désolé. Voilà. Ah oui merde, il faut qu'il fasse attention qu'il crève pas, sinon je suis dans la merde. Et donc je prends Crawler parce que je pense qu'il est assez résistant et puis vu qu'il a 23 points d'XP je pense qu'il peut résister le son de Pokémon, j'espère qu'il n'est pas assez loin. Tu veux quoi toi? Tu sais de qui on est? On est là sur une requête. Quoi? Comment ça? On a été démantelé? Oh tes blagues, on a jamais été démantelé. Bon si c'est vrai, ça arrive une fois. Mais on sera sur la nouveau pour venir bien. Tu mets trop de jouets. Et puis ça te regarde pas tout ça. Allez ouf. Paf. On est des durs, non de là tu me requêtes. Écoutez, j'ai vraiment peur là pour mon Pokémon. Il a combien de. Il a 13, attendez, 13, attention. 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et il a survécu au poison. Et oui. Je suis en fou, ça se trouve, il pouvait crever comme une merde. Donc ça veut dire que dans Pokémon Or Glow Silver, donc le remake de Or Argent et Crystal. Et Crystal, excusez-moi, j'ai bugué. Donc ça veut dire qu'il peut survivre au poison, donc la quatrième génération est plutôt intéressante car pour les Nuzlocke, ils ont pensé à tout. Ah, t'as cru qu'il allait crever, hein? Et voilà, il est pas mort et en plus je crois qu'ils l'ont enlevé le statut d'empoisonnement, donc il est mort. Voilà. Et donc, non, je n'ai pas perdu Pokémon pour le moment. Ça te fait chier, hein? Je sais que ça te fait chier. Donc écoutez, on va bientôt s'arrêter là quand même parce qu'on est déjà. Ah bah non, on n'est pas à 30 minutes, je suis con. On a 23 minutes, ça va. Et ben je voulais combattre le dresseur. Ouais, je voulais combattre le dresseur, écoutez. Et on va encore sauvegarder, excusez-moi encore une fois. Hein. Putain, j'en ai marre de sauvegarder. Oui, je sauvegarde. Tout. Ah, ça s'arrête. Ok. Moi je voulais faire le combat contre la personne, pas le membre de la Team Rocket pour le moment. Je sais pas si c'est possible pour le moment. Je sais pas. Mais lui là, viens là toi. Il est dans un GM, il me reste encore pas mal d'énergie. Ah ouais, mais t'as plus de voix. Alors là, vas-y. Ok. Oh, c'est bon ça. Oula, il est bon. Oh putain, il est quand même niveau 11, on va faire attention. S'il a un jet de pierre là. Ouais. William. Oh, il est plus rapide, c'est nickel. Allez, one shot. Oui. Nickel. C'est nickel, les amis. Oh, pas mal. Ouais, on s'en fout de la pluie de toute façon. Ah. Machoc. Ouais. Match. Qu'est-ce que je prends là? J'hésite. Je peux prendre Togepi, Extra Ascenseur. Je peux prendre Chrono, Tornade. Je peux prendre aussi Crawler aussi.
Bah écoutez. Bah je vais prendre Chrono. Putain, mec, il a galéré à choisir une stratégie pour tuer un Pokémon merdique. C'est moi, Spectrol. Ah merde, il est niveau 11. Je pense que ça va le tuer. Ou pas. Oh putain, Chrono, t'es cheaté. Oh. Oh putain, Chrono, t'es cheaté là. Oh, fais chaud en montagne, hein. Je vais donc sur les chemins et dans les grottes, mais presque jamais dans les villes. Toi, par contre, tu dois y aller souvent. Si on échange nos numéros, on pourra se donner plein de tuyaux, hein. Tuyaux, référence à Mario. Le mot téléphone est enregistré dans le Pokématos. Mais moi, je me dis quand même, il y a des putains de références à Mario, hein. Le mec qui te parle de tuyaux, le mec qui te. Ben, le mec qui s'appelle Luigi. Je sais plus si c'est un mec qui s'appelle Mario, je sais plus. Circuler, y'a rien à voir, c'est dangereux là-dedans. Alors j'empêche les gens du coin de passer pour pas qu'ils se blessent. Je suis un bon gars, tu trouves pas? Non, bah non, t'es un membre de la Team Rocket. T'es pas une personne sympa. Faut faire quoi là? Parce qu'il y avait le vieux là. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Eh, c'est vieux. Ok, tuto. Un spectre, tu vois. Mais non, c'est pas une fille. Eh, tu voudrais que je te donne. Désolé, mais ça devrait attendre. Tu connais la Team Rocket, ben, que tu la connaisses ou non, ça ne change rien. Ce sont des gens qui utilisent des Pokémon des fins crapuleuses. Leur organisation avait pourtant été démantelée il y a 3 ans, mais là, ils sont au fond du pyramide. Je suis sûr qu'ils coupent la queue de ces. Quoi? Je suis sûr qu'ils coupent la queue de ces pauvres Pokémon. Putain, ils sont dégueulasses. Ils coupent la queue des Pokémon. Pour les revendre. Je m'en vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Moi. Tenez bon les petits Romelos, le bon vieux Fargas à la rescousse. Mais écoutez, on va essayer d'aider cette jeune personne. Et on va parler à la jeune fille, hein, chapé de bille. Salut ta gamine. Papy, où tu es? J'ai peur toute seule. Allez bien. On va s'amuser. Non, ok. Ok, j'arrête. Ok, Ecorcia, donc ça a l'air d'une ville bien sympathique. Putain, mais qui veut lui? J'ai entendu parler des queues de Ramolos, il paraît que c'est bon. Je suis un bon gars, tu trouves pas? Ouais, putain, mais moi je veux me battre contre le deuxième champion ou la championne. Oh, ça fait chier ça. Ah! Intéressant, c'est quoi ça? Puis Ramolos, aussi connu sous le nom Puits de pluie. Eh ben écoutez, c'est peut-être une nouvelle zone. Avec un peu de chance, j'ai tout gagné. Je vais avoir un autre Pokémon. Je vais avoir pas mal de montage à faire. Hein. Qu'est-ce qui. Pourquoi il est pas venu voir les Ramolos? Oh, Spectre! Le garde a décampé quand je lui ai crié tu. Et puis fui dans son lieu dans le puits, mais je me suis planté. Je peux plus bouger! Si j'étais en forme, mes Pokémon les auraient punis. C'est vraiment trop bête. Spectre, va leur mettre une raclée à ma place. Toi, t'es bizarre, toi. Le mec, il va dans le puits. Putain, moi, je peux bouger, t'inquiète. Hein. Ouais, ok, bah, je vais t'aider, petit. Oh, putain. Ah ouais, là, ça rigole plus. Là. Mais qu'est-ce qu'il avait, le vieux? Juste quand je regardais le puits, c'est merveilleux, si fort, ça m'a fait peur, je suis tombé. Pour oublier mes soucis, je vais te faire ta fête. Eh ben, écoute, moi, je vais te démonter la tête. Moi, je suis un malade, je suis un fifou. Vas-y, Rocket Spear. Oh tata, ça me fait pas peur, il est peut-être niveau 9, je m'en fous, moi je suis un ouf. Ouais. On va lui faire baleine, je pense. Ou attends, vive attaque. Oh putain, doucement, attends, moi, je vais juste attaquer, t'inquiète pas. Relax. Putain, il fait mal quand même. Vas-y, lance-lui des balles dans la gueule. Ah, que 3 fois. Et en plus, c'est bien parce que je regagne de la vie grâce au Grolozen. Donc, Grolocoque, excusez-moi, j'ai dit Grolozen. Et il fait puissance, mais on s'en fout. On va tuer avec des balles, graines, tiens. Voilà, t'es mort. C'est bon ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il a gagné des PV, c'est bon ça. Ouais, 109, c'est pas mal ça. Ratata avec ratata.
Tornade. Vas-y, chrono, t'as one shot un, je sais plus quoi, un Machoc. Et t'es niveau 11, vas-y, one shot le. Pourquoi il one shot pas? T'as peur d'un ratata ou quoi? Ouah, c'est bon, nickel. Eh, il va peut-être monter au niveau 18, parce que normalement il évolue au niveau 18 en Rookops. Eh, nickel. Ah, c'est pas mon jour. Ah, bah si, c'est mon jour, moi. Écoute, dégage. Ah, y a pas d'objet caché là. Eh, mais attendez, on peut avoir un nouveau Pokémon normalement. Y a pas des Pokémon ici? Oh, coco. Super. Ouh, super. Ouh, attends, c'est un chien ça. Attends. Ouais, ouais, on va faire attention quand même. Oh, une meuf, tu me requêtes. Salut. Arrête de couper les culs de Ramolos. Et puis quoi? Tu vois qu'on ignore les ordonnances? Si tu veux vraiment qu'on arrête, il faudra tous nous battre. Quel garce. Allez, c'est parti. Mmh, sexy. Mmh, sexy. Nous sera habité niveau 9. On va faire attention. On va faire Balgrage. Ça va peut-être le tuer. Oh putain. Ça fait que dalle. Ah merde. Waouh putain. Chutifleur, bravo. Félicitations, franchement. Waouh. Oh non. Non, pas ultrason. Putain, non, les amis. Bah oui, Togepi, bah oui, Togepi, extra ascenseur, voilà. C'est fini. Ouais, mais on s'en fout, ça fait que dalle. Eh, mais il m'enlève un HP limite. Ouais, non, HP. Tu es pit, ouais. Non, pourquoi je fais double Z? Écoute, je vais vous montrer cette attaque, comme ça vous êtes sûr de voir cette attaque. Voilà, ça rend confus. Voilà, ça peut rendre confus. Et ce qu'on va faire, on va faire un métronome parce que c'est marrant d'avoir des nouvelles attaques. Non, mais on s'en fout. Ah oui, et je me suis posé une question et je pense que je vais pas. Et je vais pas. Et parce que s'il y a cette attaque, je suis dans la merde. Ça va. Imaginons que métronome. Je fais métronome. Imaginons que. Par malchance, j'arrive à destruction ou explosion. Bah, je suis dans la merde, ça va sûrement le one shot. Donc je me suis dit, métronome c'est bien, mais c'est pas bien pour un Nuzlocke. Attention. Même si c'est une attaque, ben c'est très rare de tomber dessus. Mais je sais pas, j'ai toujours eu un ressenti quand je vois métronome. J'ai souvent peur. Souvent peur parce que s'il fait destruction ou explosion, ben, je suis un peu dans la merde. Ah, il a bientôt one shot. Oh merde, pourquoi j'ai encore fait? Ouais, mais il va mourir, il va être confus. Ah, oh, il est même pas confus. Dommage. Vas-y, fais un ultra laser pour les abonnés. Moi, ou souvent, ouais. Pff, ouais. C'est pas très utile. Vas-y, t'es plus confus, on s'en fout. Ah, tu me rends pas confus, hein. Vas-y, une attaque de psy. J'ai dû une attaque de fou, j'ai pas dit dans ce pluie, attends. Maillot quoi. Waouh, c'est une putain d'attaque. Hein. Oh là là. Putain, mais putain, pourquoi tu fais danse pluie ou soin? Fais une attaque! Vas-y. Non, oh, c'est une blague, c'est pas possible. Ah là là. C'est une grosse blague, vas-y attaque! Voilà, détricanon, ça c'est une putain d'attaque. Poison, une attaque poison. Et heureusement que c'est la one shot, hein. Putain, je crois que je vais pas t'utiliser souvent tous les plis. Hein. Waouh, 51 points d'XP, que c'est trop bien! Abo! Abo, bah voilà, j'ai tout compris. Abo, tu vas crever comme une merde. Tu vas bien crever, je vais te faire être extra ascenseur. C'est pas grave, je perds quand même ma défense, mais tu vas prendre bien cher. On va regarder sa vie qui va défiler. Voilà. Merci Abo. Salut, casse-toi.
Oh, pas mal. Ouais, nickel. Salmon. Ah ouais. Faut pas se fighter contre un gosse de 10 ans. Peut-être une Pokéball. Ah, encore une super potion, mais oui. Ça va être... S'il donne deux super potions comme ça, je pense que ça peut faire mal. Mais j'ai toujours pas de Pokémon que je trouve dans la zone. Là. Arrêtez de couper les queues de Ramolo. C'est notre réputation, tu l'as pensé. Hein, bah non, mais je m'en fous. T'inquiète pas, je m'en fous. Ah, Tata, vas-y, je vais te faire un Folian. Je pense que ouais, Folian, ça va le one shot. Allez, vas-y. En plus, c'est plus rapide qu'un Ratata. C'est nickel. Voilà, là, là. Oh, dommage. C'est dommage. C'est dommage. Oh, putain, on est là 35 minutes. Oh non. J'ai dit que c'était entre 25 à 30 minutes. Et là, je fais des vidéos comme avant, trop longues. Ah là là. Nous sommes un petit Johan, nous sommes un petit Gabini. Non, pour l'instant, je trouve ce Nuzlocke assez facile dans le centre. Pour le moment, j'ai bien dit pour le moment. À savoir que si les événements se déroulent comme il doit se passer, je devrais faire la deuxième arène. Mais cette deuxième arène, je pense que je vais m'en prendre plein la gueule, tout simplement parce que déjà son insécateur me fait peur. Et ensuite, il faut sûrement soigner parce qu'on m'a dit qu'il y a un... Il y a le rival, hein, oui, il y a le connard de rival. Et il a un macronium niveau 18. Comment je vais faire, je ne sais pas. Et ben, je pense que je prendrai sûrement Togepi. Parce que Togepi est vachement utile parce que extra-ascenseur, psy-contrôle du plante, ça fait vachement mal. Donc je pense que... Ah oui, mais s'il fait plaquage, ouais, s'il fait plaquage ou Folian ou Trancherbe, ça peut faire vachement mal. Ouais, faut... je sais pas, je verrai quelle force. Oui, quelle force, oui. Ouais. Je vois un nouveau Pokémon, là. Y a pas de nouveau Pokémon, là. Putain, il n'y avait pas de Pokémon avant. Qu'est-ce que c'est? Putain. Oh non. Ramolo. Ah mais je pense que je vais le one-shot là. Non, non, non. Ouais, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, c'est Ramolo ça. Je sais pas. C'est pas une grosse déception, vous inquiétez pas. Quoi? J'ai la réputation d'être plus cruel des membres de la Team Rocket, je ne te laisserai pas nous mettre des bâtons dans les roues. Écoutez, après ce combat, on va s'arrêter là, parce que je veux pas faire un épisode de 48 minutes, hein. Ou même plus, ou moins. Et, à la mienne. Eh ben, écoutez, on va changer directement. Parce que sinon, ben, vu que j'ai pas trop le temps de faire une vidéo en ce moment, j'avais vraiment envie de faire une vidéo aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas, parce que j'ai envie de me détendre sur du Soul Silver, en plus en Nuzlocke Challenge, c'est bien pour avoir la rage. Donc voilà, extra ascenseur. Non, pas ultra ascenseur. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. C'est bien, blesse-toi dans ta confusion. Bravo. Ah putain. S'il me rend confus, ça va me saouler. Oui, t'es plus confus, t'as raison, t'es cheaté toi, souris de fou. Vas-y, 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 one shot le là. Oui, c'est bon ça, nickel. C'est parfait. Ouais, bon, c'est pas... Ouh, niveau 17. Oh là là, mais il a une attaque et une attaque spéciale de psychopathe 31. Ah, il peut prendre parasport, attendez. On va un peu regarder ses... On va regarder un petit peu... Un peu aussi. Ouais, bah écoutez, on va garder comme ça. On va garder comme ça, on sait jamais. Je pense que c'est plutôt utile ce que je vais faire. Et Smogo, ben, je pense que je vais tout one-shot avec extra ascenseur. Et donc les amis, ben le Nuzlocke est très easy. Ah là là, je suis trop content. Ouh, j'ai peur. Extra ascenseur, je pense à mal one-shot. Et je pense qu'il va peut-être monter au niveau 18. Je ne suis pas sûr. Allez. Allez, monte au niveau 18, monte au niveau 18. Tu es capable de monter au niveau 18. Oh, c'est nickel. C'est nickel, les amis. Monte au niveau 18. Attaque spéciale 25, ouais. Bah écoutez, les amis. Non, j'ai pas dû sous-estimer un enfant.
Et ouais, il faut jamais sous-estimer un enfant. Là, tu me requêtes à Didis, tu as 3 ans, certes, mais nous avons continué nos activités dans l'ombre. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'y arriveras pas à nous arrêter. Tu devrais dorénavant vivre dans la terreur de nos prochains coups. Ninja. Oh, qu'est-ce qu'il veut, le vieux? Bravo, Spec. Là, dis-moi que t'as décampé. Mon dos va mieux. Allez, rentrons. Salut Spec, tu as été formidable. Comme je t'ai dit, la team Rocket a été vaincue il y a 3 ans par un garçon qui s'appelait Red. Ah, mais les voilà de retour, et j'ai un mauvais pressentiment. Quoi qu'il en soit, tu m'as beaucoup impressionné. Je serais fier de fabriquer des Pokéballs pour toi pour le manger, que ça sous la main, mais prends-le quand même. Ouh, une Speedball. Alors une Speedball, c'est pour attraper des Pokémon rapidement. Enfin, des Pokémon qui ont une vitesse rapide, je crois que c'est ça. Ou alors capturer des Pokémon un peu comme une... comment ça s'appelle? Une Rapid Ball, je crois. Au speedball. Non, bah non, attends, je dis de la merde. Oh, mais tu as dit de magouille, allez, laisse-moi faire. Eh ben non, on fera sûrement ça au prochain épisode. Et je pense que j'ai pas assez de magouille, donc on va pas faire de nouvelles Pokéball. Je vous montrerai sûrement ça dans un prochain épisode où je me tenterai la reine numéro 2 d'Écorcia. Ah bon, je suis un peu déçu. Eh ouais, j'ai une idée. Tu veux le numéro de téléphone de mon papy? Pourquoi pas? On est des fous, ouais, allez. Pas de soucis, hein. Appelle-le pour apprendre plein de choses sur les noix. Donc écoutez les amis, on va se laisser là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la suite de ces vidéos. En tout cas, tu peux liker la vidéo si tu as aimé. Si tu aimes le Nuzlocke Challenge, le Soul Silver en mode Nuzlocke Challenge, tu peux commenter si tu as aimé. Si tu veux me donner des astuces, comme vous me dites beaucoup d'astuces en commentaire et sur Skype, notamment plutôt sur Skype que en commentaire. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le quotidien de mes let's play sur les jeux vidéo, le Pokémon Dark Destiny, le projet Pokémon que je suis en train de créer sur RPG Maker avec l'aide de plusieurs personnes. Ça annonce plutôt bien pour le moment. Une démo est en approche, donc vous pouvez vous inscrire sur le forum pour suivre les news en temps réel. Encore merci d'être plus de 1000 personnes et bientôt 1100 personnes et à me suivre sur ma chaîne YouTube. Allez, salut tout le monde!